Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau let's play que je tease depuis, je sais pas, peut-être un mois, même peut-être plus, parce que ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que j'ai envie de jouer. Et c'est à ce moment de l'année que ma manette ne décide de plus marcher. Je sais que vous allez me dire que Undertale ou Deltarune, c'est beaucoup plus simple, enfin c'est peut-être simple de jouer au clavier. Mais peu importe quel jeu au clavier je joue, que ce soit simple ou pas, je suis nulle. Donc je m'excuse d'avance si je vais jouer comme une merde au début, parce que ma manette ne veut tout simplement pas marcher. Je sais pas quand elle marchera. Ça m'arrange pas du tout parce que je joue à tous mes jeux avec la manette. Du coup, c'est trop bien. Donc pour le moment, j'espère que la semaine prochaine ce sera déjà bon. Je vais jouer au clavier. Ça se peut, je vais pas trop galérer. Par contre, il devait avoir ma tête. Mais pour le moment, non. Peut-être que la semaine prochaine, oui. Je vous avoue que j'ai pas la meilleure tête là actuellement. Je pense que déjà ça s'entend à ma voix. On dirait que je viens de me lever. Non, non, ça fait vraiment 3 heures que je suis réveillée. Et vous inquiétez pas, je suis bien réveillée parce que j'ai eu un très bon début de matinée. J'arrête de raconter ma vie. On y va. J'ai déjà vu le jeu il y a un an. J'ai pas mis tôt. C'est comme Undertale. Enfin, je crois que je l'avais déjà dit que je connaissais avant. Mais je m'en souviens pas. Là, je me souviens de ce qui se passe après la création du personnage. Mais niveau histoire et gameplay, bah, j'ai un peu tout oublié. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais galérer toute ma vie avec ce foutu clavier. Je sais pas. Non, mais ça va être trop bien. Bah, du coup, on va faire ça. Hein. Voilà. Écoutez. Je me fais chier quand même, même si je sais ce qui arrive. C'est. D'ailleurs, ah oui, j'ai dit Deltarune, je sais pas si c'est Deltarune ou Deltarune. Comme vous voulez, on s'en fout. Avec un pull parce qu'il fait froid, lol. Tu m'aimes pas froid, mais... Alors. Soit j'ai un problème, soit je vois pas la diff. Ceci est votre corps. Ah oui, il y avait juste un petit truc au début, un peu super. Ouais, je sais. Oula! Douloureuse, j'adore souffrir. Disons sucrée et froide. Moi, je vais mettre sucrée. Votre groupe sanguin. Favori. Ah, j'ai eu peur. C'est bizarre. Mais je sais pas. On va mettre AB. Ils sont deux. C'est totalement con comme raison, mais je sais pas. Quelle est sa couleur favorite? On va mettre le vert. C'est bien le vert. Offrez-lui un don. La gentillesse, ça devrait déjà être acquis dès que tu nais, normalement. Mais apparemment, ça s'est pas trop ancré dans les cerveaux de chacun. Ambition, c'est bien l'ambition. Que ressentez-vous envers votre création? Elle ne l'entendra pas. Espoir, dégoûté, moche. Non, je sais pas. Mettre de l'espoir, tu vas accomplir de grandes choses. Mais t'as un petit début de calvitie, on va pas se mytho. Avez-vous répondu honnêtement? Oui. Vous consentez aux possibilités de souffrance et de crise. Oui. Compris. Ah oui, alors, déjà, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de voix. Alors, vous m'en voudrez pas. Je sais même pas les voix que j'ai fait dans Undertale. J'ai déjà oublié. Bon, je sais qu'il y a pas beaucoup les persos qu'on voit. Dans Undertale, dans Deltarune. Enfin, c'est un peu moins. Mais on les voit quand même. Donc, voilà. Voilà. Tiens ça. J'ai encore dit mon. Tiens ça. T'as un problème contre Tiens ça?
Attendez, est-ce que ça date autant Undertale comme c'était l'année dernière? Bah c'est vraiment... Bon, c'est pas vraiment mon prénom. Bon, bah... Allez, pour ceux qui ne savaient pas mon prénom, c'est cadeau. On se bat un secret, hein. Voilà, ça c'est mon prénom. Bon, il manque l'accent, ça me stresse. Théa. Ouais, c'est ça. Excellent. C'est Monsieur Burns, en fait. Je sais pas, Théa. Oui, t'as un problème avec mon prénom, tu veux qu'on se batte? Merci d'avoir pris votre temps. Ouais, bah en ce moment, on le prend beaucoup, donc t'inquiète. Vos réponses, votre merveilleuse création, je suis Dieu, vont maintenant être écartées. Personne ne peut choisir qui il est dans ce monde. Votre nom est blanc. Voilà. Chris! Chris, tu ne te lèves pas, on sera en retard à l'école. Est-ce que c'est Chris ou Chris? J'ai oublié! Vous voyez? Je sais même plus comment ça se prononce! Je t'attends dehors, d'accord? Ah, c'est moi le matin. Sauf que ma mère, elle me parle pas. Je serais capable de du foot. Putain, c'est trop bien parce que vraiment. Bah, on voit la différence quoi. Genre les étoiles, les trophées et. Rien. Par contre, un chariot et un bureau, la différence, c'est trop bien. C'est une tasse. C'est un bureau d'ordinateur. En dessous se trouvent des boîtes pleines de vieux livres. D'accord. C'est ton lit que tu dois faire. C'est votre lit. Fais-le! C'est une commode. Oh, c'est tellement trop bien. Oh, ça fait tellement longtemps. En plus, j'avais trop envie de rejouer à Undertale, mais je m'en rappelle trop. Du coup, c'est bien de faire Deltarune, parce que contrairement à Undertale, j'en ai aucun souvenir. Et en plus, il y a le chapitre 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est nickel. Il n'y a pas encore la traduction française. Et vous inquiétez pas, si on finit le chapitre avant, c'est pas grave. Je me débrouille très bien en anglais. C'est un chariot rouge contenant une cage d'oiseau rouillé. Pourquoi? Il semble avoir subi quelques accidents. Ah! Eh ben d'accord. Ah, il y a une fenêtre! C'est une belle journée dehors. Aucune ref. Aucune ref. Vraiment. Le tiroir ne contient presque rien, sauf un t-shirt cross-country troué. Il y a des CD sous le lit, du classique, du jazz, du ska religieux. Qu'est-ce que c'est? Il y a aussi une console avec une manette originale ainsi qu'une contrefaçon. D'accord. Bon, par contre, je crois que je peux pas regarder les trophées. Non. Bon, bah, on y va alors. Waouh! Alors, je sais pas si c'est par où. Oh là là. C'est vous! Ce n'est que vous. D'accord. Oh la plante. Il y a des crayons aux étiquettes effacées, il manque le vert. Un cactus. Oh. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais t'as un problème contre les cactus, c'est bien les cactus. On va rentrer dans cette chambre. Ah bah non. Oh. La porte est verrouillée. D'accord. Voici quelques livres. Oh mon dieu, les escargots! Fabio d'escargot, un livre d'histoire. Les escargots, mollusques à sang chaud, une réfutation, oui, scientifique. Les escargots peuvent-ils aider votre jardin? Pas vraiment. Et une copie dédicacée de l'histoire des humains et des monstres par Gresson Boom. D'accord. Bon bah, on descend. Et oui. D'accord. On a une poubelle. C'est une poubelle. Curieusement, elle émet un agréable parfum floral. Pourtant, c'est une poubelle, hein, mais bon. Des emporte-pièces pour faire des monstres et des humains en pain d'épices. Trop mignon. Il y a de la pâte à gâteau à la cannelle collée sur la cuillère. Oh là là. Il y a quelques poils blancs coincés dans la tuyauterie.
Ça n'a pas changé. Il y a une photo sur le frigo. C'est vous, votre mère et votre frère. Oh. C'est un téléphone fixe, mais vous disposez déjà d'un téléphone portable. D'accord. Moi, je suis un peu. J'aime bien. Je découvre tout. Ça, je peux pas, d'accord. C'est la télé. Il semblerait qu'elle ne soit plus branchée. Une chaise? D'accord, pas la chaise. Pas la chaise, d'accord. Celle-là? C'est une. C'est une chaise réelle. Notre chaise de salon bien-aimée. Ah non, c'est chaise réelle. Je veux dire, c'est une chaise réelle. Alors. Je sais pas par où je vais. Est-ce que la porte là, je peux y accéder? Oui, c'est la salle de bain. Mon Dieu! Vous regardez dans le tiroir du lavabo, il y a. Une bombe de déodorant. Glacé. Oh mon Dieu. Le jeu de mots. Pour mec cool, spray pour les gars. Parfum pizza chaude. Elle semble être presque pleine. Des toilettes. Tirer la chasse. Vous avez tiré la chasse d'eau. Ouais. Ce jeu. Sur le bord de la douche, il y a une bouteille à deux shampoings à la pomme. Ainsi que 3 bidons 2 litres de shampoing pour animaux. D'accord. Ah oui, c'est vrai, il y a genre un tout petit truc et j'avais même pas capté. Bon, maintenant on peut y aller. Écoute, voilà. Alors là, c'est le moment où je vais m'excéder parce qu'on va voir tout le monde. J'espère que vous êtes prêts. Chris, te voilà enfin. On a encore une chance d'arriver à l'heure. Chris, c'est une belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? J'espère que ce sera toujours le cas quand Azriel viendra la semaine prochaine. C'était ça? Mais après tout le plaisir qu'il prend à la fac, c'est ça? Tu vas trop vite! Aimerait-il revenir dans ce petit village? Waouh! Oh! Bibliothèque, j'ai toujours remarqué ça. Oh non. Ah mon Dieu. Non. Allez, là ça fait tout seul. Hein. Alors, est-ce que tout le monde a un... Oh, Chris, on ne pensait pas que tu viendrais aujourd'hui. C'est extrêmement bizarre, hein, parce que en fait, normalement, je dois aller en cours, donc... Ce mois-ci, on fait des travaux de groupe. Eh bien, essaie de te trouver un partenaire, ok? D'accord. Crisp. Ah ouais, désolé. T'aimes déjà avoir partenaire. Oh. Alors. Yo, Chris. Sois plus matinal la prochaine fois. Non. J'ai dû me mettre en duo avec Snowy. J'ai bugué parce que c'est vraiment mon deuxième pseudo techniquement. Donc, je veux dire, si je peux pas m'appeler déjà ça, c'est Snowy, hein. Maintenant, il n'arrête pas de me dire IA, partenaire, comme un cow-boy. Partenaire, tu me manques pas d'air. Ah, putain. Ah, t'en penses quoi? Cool, hein? Non? Bon, j'ai des nouvelles pour toi, l'ami. J'ai déjà un partenaire. Mais j'ai pas dit. J'ai dit partenaire, du coup. Dans ta face! D'accord, merci. Toi? Il fait peur, hein? Ah, Chris, encore en retard à ce que je vois. Tu as besoin d'un partenaire? Désolé, je suis déjà en duo avec l'autre seul élève intelligent ici. D'ailleurs, attends. Chris, maintenant que j'y pense. Tes capacités uniques pourraient nous être très utiles. Bien sûr que non, figure-toi que je tiens à avoir un 20. D'accord. C'est gentil tout ça.
Et Chris, ça va? T'as encore perdu ton crayon? Voilà, tu veux celui en forme de sucre d'orge ou le lumineux? Oh, tu veux qu'on soit en groupe? Désolé. Berdly? Berdly m'a déjà demandé. Mais je pourrais voir avec Madame Alphys pour nous mettre à trois. Je peux demander si tu veux. Oh, je sais pas. Vas-y. Je sais pas si elle le fait pour... oui, vas-y. Ok, c'est comme si c'était fait. Madame Alphys, ce serait possible d'être trois? Oui? Quoi? Non, je veux pas. Objection. Quoi? Mais Chris n'a pas de... Noël, qu'est-ce que tu disais? Elle disait juste qu'on était très bien à deux. En fait, je voulais savoir si... Noël, pourrais-tu s'il te plaît parler plus fort? Bonjour Suzy. Ouais. Je suis en retard. Oh non, pas du tout. On était juste en train de former des groupes pour le prochain devoir et... Suzy, tu es avec Chris. Génial. La conviction. Maintenant que tout le monde est là, je vais expliquer ce devoir. Bah, on peut s'asseoir peut-être? Quelqu'un a vu la craie? C'est la troisième fois qu'elle disparaît et... vous savez tout ce que je ne peux pas commencer... Vous savez tous que je ne peux pas commencer le cours sans. Je peux s'asseoir. Vous savez quoi? Si personne ne se dénonce, tout le monde est puni. Quelqu'un, s'il vous plaît? Et il devrait y en avoir dans le placard à fourniture. Madame Alphys, et si Suzy et moi... Bonne idée, Noël. Suzy, puisque tu es arrivée la dernière, pourquoi n'irais-tu pas en chercher pour moi? Ok. Et Chris, pourrais-tu la suivre pour vérifier qu'elle le fasse vraiment et ne s'attire pas d'ennui? Merci, Chris. À tout de suite. Yay! Je peux rien faire. D'accord. Pas sûr que ce soit très bon, mais... Chris. Je t'avais pas vu. Hey. T'as rien vu, d'accord? Un peu quand même. T'as perdu ta langue? Chris. Hey. Laisse-moi te dire un secret. Viens trop calme, ça me fout les nerfs. Point, 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 point. La musique, attention. Tu crois que parce que tu dis rien, je ne peux pas savoir exactement ce que tu penses? C'est fini, j'ai vu Suzy manger la craie. Cette phrase, c'était sa dernière chance. Maintenant, elle va enfin être exclue. Allons, Chris, ne sois pas choqué. Tu sais que c'est vrai. Tout le monde attend que ça. Ils le veulent tous. Donc, bravo, Chris, tu m'as eu. Je suis fichu. Seulement, laisse-moi te dire une dernière petite chose. Ce serait idiot d'être viré juste pour avoir pris un casse-croûte. Donc, Chris, si jamais j'apprends que tu vas me balancer, pourquoi ne pas se faire exclure pour un véritable massacre? Chris, est-ce que ça dérangerait que je t'arrache le visage? Alors, pour pas te mentir, un tout petit peu. Non. Chris, t'as une bonne mère. Ce serait une honte de lui faire enterrer son propre enfant. Bon, finissons-en. Trouvons cette craie, revenons vite en classe et ensuite, Chris, tu vas faire notre projet. T'en penses quoi?
Yes, j'allais vraiment répondre non, juste pour voir, mais bon, t'inquiète. T'embêtes même pas à répondre. Au cas où tu l'aurais pas encore remarqué, ton opinion n'a aucune importance. Ok. Allons-y, minable. Ah, j'ai un nouveau surnom! Il me va très bien. Mon Dieu, c'est pas possible de marcher aussi lentement. Écoute, laisse-moi faire 1 m 10. Non, je comprends. T'es pas habitué à marcher sans qu'on te tienne par la main. Dépêche-toi, minable. Une porte. Ah, c'est pas une porte. Bon, voilà le placard. Dommage. On commençait justement à s'amuser. Ah, tu t'amuses en marchant, toi? La tête. Hey, Chris, c'est moi ou... Il fait vraiment sombre là-dedans? Il y a un problème, Chris. T'entends quoi pour rentrer? Très bien. Si tu veux faire ta flippette, alors je... On va y aller tous les deux en même temps. Tu vois? T'as aucune raison d'avoir la trouille. Y a rien d'autre que de la vieille paperasse. Essayons de trouver un interrupteur. C'est bizarre, je le trouve pas. Je suppose qu'il doit être plus loin. C'est un peu grand pour un placard, non? On aurait dû atteindre le fond normalement. Hey Chris, je crois que le placard est cassé. Il n'y a pas de mur. Bon, on a été chercher comme ça. Si elle fuse de sacré, qu'elle aille la chercher elle-même. On se casse. Eh ben non. Qu'est-ce que... Hey, c'est pas drôle, laissez-nous sortir. Laissez-nous. Le sol, il... Waouh. Quoi? Je suis passionnée par les images, c'est... Le style. J'avance. Oui. Oh, le premier point de sauvegarde. Bon, je peux m'arrêter maintenant, mais... sachez que je vais pas non plus filmer longtemps, parce que ce serait bien que ça dure longtemps, ce type, parce que je sais toujours pas quoi faire avant, non, après. Et bah, toujours pas des suites de Idols, sachant que je ne fais pas la route Jia et Imchan. Oui, c'est vraiment le po la pause. et il n'y a pas encore eu Fly. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Aussi, je sais pas, parfois je sais que je change la voix du personnage, c'est parce que je suis pas encore habituée, ça fait hyper longtemps comme je vous ai dit. Et ben, quand je joue aux Otome, c'est très rare que je fasse des voix parce que c'est un peu plus compliqué quand c'est surtout des gars, du coup. Par moments, vous la voyez scintiller, cette lumière que vous seul pouvez voir. Instinctivement, vous vous en rapprochez et. Boop! Hey, marqué Théa! Quelque chose brille à l'intérieur. Le prendre? Vous obtenez l'éclat lumineux. D'accord. Par contre, y a rien. Bon, bah, je devrais vraiment aller là-bas. Bon, bah super. Ah, d'accord. Je suis en phase de combat, là? Ah non, je veux juste éviter de me faire... Oh putain. Ok, ça va. C'est vrai que c'est pas... C'est pas du tout comme Undertale. Vous plongez votre corps dans la lumière. Un sentiment de puissance brille en vous, perçant les ténèbres. La douleur que vous ressentiez auparavant a disparu. Vivez entièrement restauré. Yay! Énigme des yeux.
Oh non. En ce lieu, seuls les yeux aveuglés par les ténèbres trouvent la voie. Ok. Insupportable. Ouais, j'ai réussi. Je m'en fais au pif, hein. Je peux pas descendre? Bah. Ah, si. Mais. Je te vois, hein. Par contre, là, je vais forcément me prendre le truc, non? Bah ouais. Hey, recule! Un pas de plus, et... Chris? Hey, ne me fais pas peur comme ça, crétin. À moins que tu veuilles mon poing dans ta tronche, hein. Enfin bref, assez discuté. On doit trouver un moyen de sortir d'ici. D'ailleurs, c'est où ici? Aucune importance. Tu nous as amené ici, tu trouves la sortie. D'accord. Après toi, Chris. Tu me suis, tu marches derrière moi, faible. Oh mon Dieu, laisse tomber, t'es vraiment trop lent. Comment il s'est retrouvé en mode... Ah d'accord. Ouais, mais si tu m'attends pas, je vais pas le faire, madame. Allez! Pourquoi ça veut pas descendre? Je suis vraiment douée à ce point. C'est insupportable. Ah bah voilà! Oh là là! Hey Chris, il y a quelqu'un qui nous fait signe. Une idée de ce qu'il veut. Nous buter. Cours Chris! Oh putain. Oh putain. Oh! 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 Ah! C'est pas pratique. Le clavier, hop, punaise, on trace. Oh, c'est pas parti du tout. Bon, ça va pour le moment, c'est juste les flèches, hein. Donc je devrais gérer. Et je gère ou pas? Bah, si tu me laisses pas passer, ça va pas le faire, monsieur. Chris, par ici. Attends, attends, oh putain. Ça par contre c'est... Ça par contre c'est pas la même chose. Pourquoi ça... C'est vrai que quand t'es dans une pente, tu peux totalement... Est-ce que j'ai géré ou pas? Pas du tout. Bon, en vrai ça va. Waouh. Tiens, t'es pas mort? Bien. T'as une idée de ce que peut être cet endroit? Moi non plus. Je me demande s'il y a quelqu'un dans ce bâtiment là-haut. Bah vas-y. Attends. Où? Ça? On dirait une boutique. La porte est... Mais la porte est fermée, il n'y a personne à l'intérieur. D'accord. C'est fermé. Oh? C'est fermé. Ah, je viens de comprendre, c'est des maisons, c'est pas des flèches. Enfin, c'est des maisons, c'est des bâtiments, quoi. C'est fermé, ok, c'est tout fermé. En face de vous se dresse le château de cette ville fantôme. Un geyser noir s'en échappe, perçant sans fin les cieux. L'aura de ce lieu brille en vous. Ça se peut, ils ont juste fait un bad trip, hein. En soi, est-ce que c'est pas soi l'histoire? C'est pas soi, c'est pas ça l'histoire. Un château? Pourquoi il y aurait un château à l'intérieur d'un placard? Je crois qu'elle a toujours pas compris. Bienvenue, héros. Qui est là? N'ayez crainte, je ne suis pas votre ennemi. Avancez, je vous en prie, tous les deux.
Tintintin. Bienvenue, je suis le prince de ce royaume, le royaume des ténèbres. Chris, Suzy, il existe une légende en ces terres. Une légende disant qu'un jour, deux héros de lumière viendront et accompliront une ancienne prophétie contée depuis des siècles. S'il vous plaît, héros, écoutez mon histoire. Ne pas écouter. Très bien. Il était une fois une légende murmurée dans l'ombre. Ah, ben. Oh! C'était une légende d'espoir. C'était une légende de rêve. C'était une légende de lumière, d'ombre. Quoi? C'était la légende de Deltarune. Jadis, lumière et ombre vivaient à l'unisson. Oh non, ça y est. Non! Apportant la paix que nous connaissons. Mais si un jour cette harmonie venait à être brisée, une terrible catastrophe viendrait à se réaliser. Le ciel deviendrait noir de terreur et la terre se fissurerait de peur. Ça rime. Alors de son cœur martelant, la terre rendait son dernier souffle. Rendrait son dernier souffle. Oui, je sais. Seulement alors, brillant avec espoir, trois héros apparaîtront aux extrémités du monde. Un humain, un monstre et un prince des ombres. Eux seuls pourront sceller la fontaine et bannir le paradis de l'ange. Seulement après, l'équilibre serait restauré. Et le monde préservé de la destruction. À présent, la fontaine des ombres, le geyser qui a façonné ces terres, se dresse fièrement au centre du royaume. Mais récemment, une autre fontaine fut aperçue à l'horizon. Et à cause d'elle, l'équilibre entre lumière et ombre commença à vaciller. Au final, ça me fait un peu penser à mon webtoon. Juste par rapport à la lumière et l'ombre. Hein. Bon. Non, je vais pas faire ma pub, voyons. En plein dans l'épisode comme ça. Chris, Suzy, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je pense sincèrement que vous êtes les deux héros de la légende. Waouh! C'est vrai que, franchement, quand t'as conté l'histoire, ça ne me ressemblait pas du tout. Et qu'en dépit des ennemis que vous croiserez en chemin, vous avez le courage de sauver le monde. Guerrier Delta, je vous prie d'accepter votre destinée. Je ne sais pas lire et je nique tout. Non. Quoi? Moi, un héros ou un truc de genre, vous vous trompez de personne. Mais Suzy, sans toi, le monde va. Et alors, si le monde est détruit, j'en ai rien à carrer. Ça a même l'air plutôt amusant. Ça va dans la vie, Suzy? En tout cas, Chris, si tu veux jouer avec ce cinglé, reste. Moi, je vais trouver un moyen de sortir d'ici. Suzy, attends! D'accord. Ho ho ho! Les héros fuient déjà. Ils ne savent même pas que j'étais là. Hein? Mon père va me nommer fils du mois. Mais t'es qui, toi? Je suis le méchant. Alors des clowns veulent sceller votre fontaine. Je sais pas dire. Alors des clowns veulent sceller notre fontaine d'ombre, hein. Et toujours en vous considérant comme des clowns, sauver le monde des ténèbres éternelles, c'est bien ça? Mince. N'essayez même pas. N'essayez même. N'essayez pas de le nier, je sais pas lire. On sait tous. Quoi? On sait tous deux que vous. Vous enfuirez à l'est. Hein? On sait tous deux que vous vous enfuirez à l'est.
C'est votre seule porte de sortie. Mais moi... Mon subconscient est fascinant. Je me souvenais même pas qu'il s'appelait comme ça. Ok, alors est-ce que ça se dit? Je vais dire Salvanseur du coup, parce que bah, c'est comme ça que je l'appelle. Ne vais pas vous laisser faire. Ouais, comme par hasard, juste au moment où je fais une pub pour mon webtoon, c'est super! Et j'ai un plan sans faille en deux étapes pour m'en assurer. Étape 1, je vous démolis. Étape 2, vous perdez. Pas mal, Morveux. Vraiment? Ouais, en fait. Ça te dérange si on l'applique sur toi? Oh, j'avais trop hâte. Pourquoi elle a plus d'HP que moi, oui. Oh là là, c'est trop cool. Objet. Gracier et défense, d'accord. Non, je sais pas. Bah, forcément. Ah, ok, j'ai pas compris, moi. Ok. J'ai pas réussi à dire. Oh putain. Ça va trop vite. Je sais pas trop comment j'ai eu une hache, mais ça pète la classe. Ok, ça va. J'adore me faire démolir. Non, ça c'est vous. Ah d'accord, bah je vais prendre cher hein. Durant tout ce jeu. La moto d'ascenseur n'est en fait qu'un vélo en feu. Est-ce que je peux aller sur Suzy? Action. Non, ok. Complimenté. Vous dites à Lancer que vous n'arrivez pas à distinguer ses vêtements de son corps. Il semble flatté. La puissance de ses attaques diminue. Ok, nickel. Mes émotions font des roues, des jolies roues. Ok. Lancer fait glisser ses pneus. Ok. Je m'en fous. Victoire, vous obtenez 0 XP et 32, c'est quoi? C'est des dollars? On va dire 32 sous. 30... En plus, j'ai dit 32, c'est 31. On va dire 31 sous. C'est cool. Est-ce que ça va? Permettez-moi de me présenter plus décemment. Je suis... Bon sang, tu pourrais pas enlever ce capuchon? Je t'entends à peine là-dessous. D'accord. Bon. Enchantée, je m'appelle Ralsei. Je sais même pas si ça se prononce comme ça toujours. Hein. Chris, Suzy, c'est un honneur de vous rencontrer. Je suis certain que nous allons très bien nous entendre. Et... Le meilleur moyen de partir, c'est par l'est, c'est ça? Oui, c'est là que nous... A... Pigé. On se voit à l'école, Chris. Je suppose qu'il ne reste que nous deux à présent. Chris, je suis un prince, mais en fait, je n'ai aucun sujet. Je vous ai entendu, je vous ai attendu tout seul ici. Toute ma vie. Donc, je suis très heureux de te rencontrer. J'espère qu'on deviendra de bons amis, Chris. Essayons de retrouver Suzy. Elle doit être quelque part au sud-est. Après toi, Chris. D'accord. On y va. Et moi? Rasei, le prince solitaire, est maintenant votre allié. La puissance des garçons tout doux brille en vous. Alors, pour le moment, je vais continuer. Et quand on ira au prochain point de sauvegarde, je m'arrête. Chris, tu sais que tu peux appuyer sur X pour courir? C'est vrai? Vraiment? Oui, tu avanceras plus vite en appuyant sur X. Je te suivrai de près, alors ne t'inquiète pas. À moins que tu planifies de t'enfuir, dans ce cas, désolé. Oh, c'est trop bien! Je savais même pas. Est-ce qu'on peut faire ça aussi dans Undertale? Après, je vais à la monnette, donc...
Oh, Chris, c'est mon mannequin d'entraînement. C'est l'occasion idéale pour se préparer à affronter l'ennemi. Est-ce que tu aimerais que je t'apprenne comment faire? Oui. Parce que on va devoir s'habituer au clavier, donc Très bien, toi tiens, toi cocu. Tiens, t'as pris, Chris. Vois-tu ce cœur, Chris? C'est ton âme, la somme de tout ton être. Elle apporte en son sein ta détermination, ta compassion et le destin du monde. Si elle est touchée par une attaque, toi et tes amis perdront des PV. D'accord, c'est pour ça qu'elle a perdu tes PV. Si nos PV atteignent zéro, on perd le combat. Donc fais bien attention aux attaques de l'ennemi. C'est bon? Essaye d'esquiver. Mais bon, là... je me suis fait toucher? Ah non, ok, c'est le bouclier qui a été touché ou un truc comme ça. Bien joué, Chris. Tu as un vrai don pour ça. Prépare-toi, après l'attaque de l'ennemi, c'est notre tour, Chris. D'abord, je vais t'apprendre à attaquer. Bien que combattre et soit inutile dans ce monde. Mais un apprentissage détaillé ne fera de mal à personne. Bon, ça va, je sais. Je suis pas très forte. Wow, Chris, c'était une superbe attaque. Tu es sûr que c'était la première fois que tu fais ça? Bien, maintenant, essaye de te défendre. Va dans bouclier. Comme ça, l'attaque de l'ennemi fera moins mal. En plus... En plus de ça, tu recevras aussi des TP. Regarde la barre orange à gauche, je t'expliquerai. Bravo, Chris. Maintenant que tu as reçu des TP, on peut les utiliser sur un de mes sorts. À force de frapper l'ennemi, il est devenu fatigué. Maintenant, si j'utilise mon sort de pacification, il s'endormira et nous gagnerons de façon pacifique. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail des routes génocides, pacifiques, neutres. Ok, alors essayons sort et pacification. Mannequin. Résilience, pacification. Bien, Chris, on va pouvoir gagner combat maintenant. Juste une dernière chose à t'apprendre. Non, c'est bien fait. L'action avec ça, même les... Non, action. Avec ça, même les ennemis les plus violents peuvent être vaincus par une multitude d'actions de gentillesse. Chris, même si c'est un mannequin, pourquoi ne pas lui faire un câlin? Câliner. Oh, tu peux faire un câlin. Vous câliner Rasei. Chris, je ne pense pas que c'est ce que tu es censé faire, mais... Désolé, j'étais obligée. Vous câliner le mannequin. Ah, c'est bien, Chris. Chaque ennemi a des actions qui les satisferont. Quand un ennemi est satisfait, son nom devient jaune. Quand c'est fait, tu peux l'épargner. Voilà. Si nous épargnons l'ennemi, nous n'aurons plus à nous battre. Ok. C'était ça alors. Oh! Il était en dégradé là. Chris épargne mannequin. Bon travail, Chris. Ce serait la fin dans un vrai combat. Je suis vraiment heureux d'avoir eu la chance de t'enseigner, Chris. Victoire. Oh, on a quand même eu un sous-sous. Oh, c'était amusant. Tu es un super élève. Si jamais tu as besoin de te rafraîchir la mémoire, voilà, j'ai écrit un manuel pour toi et Suzy. Appuie sur C pour ouvrir ton inventaire et utiliser tes objets. Vous obtenez le manuel. D'accord. Waouh. Oh non, la grande porte est ouverte. Pas étonnant que l'un de chers ait pu s'en sortir ici. Chris, à partir du moment où nous franchirons cette porte, notre aventure commencera pour de bon. Une épopée telle que dit la prophétie. Mais Chris, je pense que tes choix sont importants eux aussi.
Ce monde est rempli de gens tous très différents, Chris. Au final, c'est notre façon de les traiter qui fera la différence. T'inquiète pas, ça je le sais. Alors faisons de notre mieux pour s'en sortir sans combattre. Et si on y arrive, je pense que cette histoire pourrait bien avoir une fin heureuse. Sinon, j'ai peur que tu ne puisses pas trouver le résultat satisfaisant. Je suis désolée, est-ce que j'en demande trop ? Chris, j'ai su que tu étais un héros dès l'instant où je t'ai vu. Faisons de notre mieux, d'accord ? Oui, si je me trompe pas de touche. Tintintin. Oh, j'ai cru qu'elle allait faire coucou. C'est il, pardon. Qui allait faire coucou. Ok, ben nickel. La porte maintenant fermée, votre aventure peut véritablement commencer. Là, c'est bien comme fin. Hop. L'appel de l'aventure brille en vous. Sauvegardez. Mais c'est nickel. Alors, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que le let's play de Deltarune vous plaira. Je compte sur vous dans les commentaires pour pas marceler pour Idols et Fly parce que, ben, comme je vous ai déjà dit 118 fois, je ne connais pas les créateurs, je suis pas amie avec eux, je suis comme vous, je suis une fan, on peut dire, de ce qu'ils font. Donc j'attends avec impatience, comme tout le monde, la suite. C'est tout ce que je peux faire. Et donc je vous fais confiance. S'il vous plaît. Parce que sinon je vais être méchante, d'accord. Donc voilà, en attendant vous avez Deltarune. Après ça, si vraiment il n'y a rien, je vais un peu être à court. Je vais devoir trouver. Mais vous inquiétez pas. Avec moi on trouve toujours. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Deltarune. Normalement. Si, à part si j'ai une surprise dans la semaine, hein, qui sait. Non, j'allais dire mon scène. Bye bye!